L'Éternel avait préparé un grand poisson pour avaler Jonas. Les matelots, le péché de Jonas fut d'avoir désobéi au commandement de Dieu. Ils le trouvaient trop dur, ce commandement. Et il l'était, oui, matelots, tout ce que Dieu nous ordonne est toujours ardu. Car obéir à Dieu, c'est se désobéir à soi-même. Mais Jonas nargue à Dieu bien davantage en cherchant à fuir de sa vue. Jonas pense qu'un navire fait de main d'homme pourra le conduire dans un pays où Dieu ne règne pas. Il rôde le long des embarcadères comme un voleur qui aurait hâte de traverser les océans. Comme il monte à bord, les marins le désignent du doigt. Le navire prend le large. Mais bientôt l'océan se rebelle, ne voulant pas porter ce méchant fardeau. La tempête se déchaîne subitement, le navire va sombrer. Le maître d'équipage décide de l'alléger. Et les bagages, ballots, jarres, tout est jeté par-dessus bord. Le vent fait rage, les matelots hurlent. « Je crains le Seigneur !» sanglote Jonas, le Dieu du ciel qui a créé les océans, l'air et la terre ferme. Alors, on le désigne du doigt à nouveau. Le malheureux Jonas les supplie de le jeter à la mer, parce qu'il sait que c'est pour son salut que cette violente tempête s'est abattue sur eux. Et maintenant, voyez Jonas soulevé comme une ancre et que l'on jette dans les flots, dans les affreuses mâchoires qui l'attendaient. Et voilà la grande baleine qui referme aussitôt toutes ses dents d'ivoire comme autant de blancs verrous au-dessus de sa prison. Et Jonas implore encore le Seigneur dans le ventre énorme de la baleine. Mais observez bien sa prière, matelot. Il ne pleure ni ne se lamente. Il sait bien que sa punition est méritée. Il s'en remet entièrement à Dieu. Et par-delà le ventre de l'enfer, perdu au fond des océans, hors d'atteinte de toute sonde, Dieu l'entend implorer le Seigneur. Et Dieu parla à la baleine. Et des profondeurs glacées et obscures du fond des mers, la baleine émergea alors vers le soleil. Et elle vomit Jonas à la surface de la terre ferme. Jonas, brisé et meurtri. Ses oreilles étaient comme deux coquillages, pleines encore de tous les bruits tumultueux des océans. Et Jonas fit ce que le Tout-Puissant lui commandait. Et qu'est-ce que c'était, matelot? De prêcher la vérité à la face du mensonge. Matelot, malheur à l'homme qui cherche à verser de l'huile sur les eaux tumultueuses que le Seigneur a brassées dans les vents déchaînés. Oui, malheur à l'homme, ainsi que le dit Paul, le pilote, qui cherche à prêcher les autres alors que lui-même est un réprouvé. Mais ô délice à l'homme. À l'homme qui, envers et contre les fiers seigneurs et tous les grands puissants de la terre, n'abdique jamais sa personnalité sous aucun prétexte. Qui détruit tout péché et s'attaque aussi bien à la toge des sénateurs qu'à celle des juges. Oui, l'éternel délice deviendra sien lorsqu'il se couchera pour son dernier souffle en disant « Ô Père,
mortel ou immortel, voici que j'agonise. Je me suis efforcé d'être à toi, plutôt que d'appartenir au monde ou à moi-même. Et ceci n'était rien. Je te laisse toute l'éternité. Car quel est l'homme qui voudrait vivre ici-bas de la vie de son Seigneur?